Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche sur le plateau de France 2 pour la seconde partie du documentaire consacré au pèlerinage de Shikoku, une des principales îles du Japon. Nous avons vu la semaine dernière la ferveur et les raisons qui poussent chaque année les pèlerins à se rendre sur les traces du moine Kukai, le fondateur de l'école Shingon, et à visiter les 88 temples de l'île. Un voyage de 1200 km, généralement effectué en une cinquantaine de jours. Nina Barbier nous fait partager la suite des moments forts de ce pèlerinage, souvent très émouvant. Shikoku est connue dans le monde pour son pèlerinage des 88 temples. Cette marche n'est pas qu'un voyage spirituel, elle implique aussi un effort physique soutenu. En marchant, le pèlerin expérimente une transformation de soi qu'on appelle la mort au monde. Ignacio et Alberto se sont rencontrés sur le chemin du temple 31. Bouddhistes pratiquants, ils se soutiennent et font la route ensemble. Je m'intéresse au bouddhisme Shingon depuis plusieurs années. C'est pour cela que j'ai décidé de faire le pèlerinage. J'ai l'habitude de pratiquer avec des mantras et je récite le Anya Shingyo, qui est le sutra du cœur. J'aime pratiquer la méditation. J'ai un maître taoïste, il s'appelle Huan Li. Maintenant, je vis en Thaïlande et j'aime pratiquer les méditations en marchant. Et je cherche beaucoup le silence intérieur. De quel pays venez-vous? Je ne comprends pas le japonais. Américain. Je suis étonné. Il y a de plus en plus de Français ces dernières années sur les sentiers à Shikoku. Mais on voit aussi des Allemands, des Espagnols. C'est comme le pèlerinage chrétien de Saint-Jacques de Compostelle qu'on est en train de redécouvrir en Europe actuellement. Au Japon, c'est la même chose avec le chemin dédié au moine Kukai. Au temple numéro 33, c'est la pluie qui accueille les fidèles. Les pèlerins qui effectuent le tour complet sont rares, en partie à cause du manque de temps dans la vie moderne. Plus courant est d'effectuer le pèlerinage en 3 ou 4 fois durant une vie. Mais le plus souvent, on l'accomplit à partir de 65 ans, l'âge de la retraite. Je viens de la préfecture d'Iwate. Je m'appelle Miyadake. Je suis à la retraite et j'avais le projet de faire le pèlerinage. Le 11 mars de l'année dernière, le désastre du tsunami a fait 6000 victimes dans la préfecture d'Iwate. J'ai pris la résolution d'accomplir un pèlerinage de requiem pour les victimes.
Je ne déteste pas la pluie. Pour moi, c'est le Daishi qui manifeste ainsi sa gratitude. Ce n'est pas pénible. Compléter son carnet avec les tampons et calligraphies des 88 temples est considéré comme un accomplissement pour le pèlerin. De retour chez lui, le carnet sera un support de méditation. La légende dit que le moine Kukai fut le premier à emprunter ce parcours en l'an 805. Le chemin passe par les lieux où il a vécu. Pendant sa période d'ascète errant, Kukai a médité dans les grottes du cap Muroto, sur la côte est de l'île. Ces hauts lieux du bouddhisme Shingon sont des étapes importantes pour les pèlerins. Quand je fais le tour en marchant dans la nature magnifique de Shikoku, que je contemple la mer, ce poème haïku de Santoka Taneda me revient à l'esprit. Nous qui sommes ici devant l'infini de la mer azurée, si on récite toutes les prières 100 fois, on peut atteindre la perfection et on devient alors soi-même un Bouddha. Aujourd'hui, les pèlerins qui marchent sur les traces de Kukai doivent parfois emprunter la route. Taikachi poursuit sa marche vers le temple 54. La motivation des pèlerins reste intacte, et même s'ils ne visitent que quelques temples, ils progressent vers l'éveil. Taikachi vit à Shikoku et n'a jamais eu l'occasion de faire le pèlerinage. Aujourd'hui, un changement dans sa vie professionnelle l'a conduite à entreprendre la marche des 88 temples. L'année dernière, j'ai quitté mon travail. C'est seulement maintenant que j'ai du temps pour moi. C'est pour cette raison que je fais le pèlerinage. L'année dernière, j'ai fait un voyage au Mont Koyan. Et là, j'ai découvert le bouddhisme Shingon. Jusqu'à présent, j'étais vraiment prisonnière de mon espace de travail. Et je côtoyais toujours les mêmes personnes. Sur la route, j'ai l'impression que les gens que je rencontre me font découvrir une nouvelle partie de moi. L'année 2012 est une année bissextile, perçue comme néfaste pour les Japonais. La tradition est d'effectuer le pèlerinage en sens inverse et de commencer au temple 88 pour conjurer le sort. C'est le cas de Yoko, une jeune fille originaire d'Okayama. Après le séisme du 11 mars 2011, j'ai pris conscience de la fragilité de la vie. Je me suis dit que je devrais accomplir les choses qui me tiennent à cœur avant de mourir, notamment celle de faire le pèlerinage. Ce qui advient de nous après la mort me préoccupe depuis que je suis toute petite. Cela m'inquiète. Et puis, je pense que ce que j'accomplis dans ma vie actuelle se reproduira dans mon autre vie. À l'entrée de chaque temple, on se lave les mains et on boit l'eau dans une écuelle afin de se purifier avant d'entrer dans le temple principal, le Hondo. Le temple 75, ou Zensuji, est une étape essentielle du pèlerinage.
c'est pour les pèlerins le temple principal, car il est considéré comme le plus proche du divin. Ce temple est le lieu de naissance de Kobo Daishi, dit Kukai, en l'an 774. D'ici, et du temple numéro 75 jusqu'au temple 88 Okubuji, il y a une centaine de kilomètres. Il faut deux ou trois jours de marche ou une journée en voiture. Ceux qui arrivent ici, après de nombreux jours de marche, sont soulagés. Ils se disent « Ouf, c'est fini, courage ». Ils sont bien fatigués, mais confiants. Le printemps est très apprécié des fidèles. Ils choisissent de préférence le moment de la floraison des cerisiers pour entreprendre le pèlerinage. Symbole de l'éveil au monde et de la renaissance, les cerisiers les inspirent et les ressourcent dans leur marche spirituelle. J'aurai 65 ans cette année. En parcourant ces 1200 km du pèlerinage, j'ai pu renforcer mes capacités physiques et mes facultés de mémorisation, ce qui est déjà un bon point de départ pour réaliser mes projets. En marchant, je priais pour mes ancêtres et mes proches. Et puis, j'avais aussi toujours une pensée pour les victimes de Fukushima. Pour les pèlerins, le temple 88 est un aboutissement de leur cheminement spirituel. Ceux qui ont marché plus de 40 jours expérimentent une joie et une sérénité particulières. Au temple 88, le but du pèlerinage est atteint. La boucle effectuée, on revient au commencement, comme si le pèlerinage n'avait ni début ni fin. J'ai accompli mon premier pèlerinage des 88 ans, il y a 10 ans. J'avais 63 ans. Je souhaitais prendre le temps de refaire ce pèlerinage. J'ai donc attendu d'être à la retraite pour réaliser mon vœu. Dans la tradition culturelle du Japon, il y a des âges clés qui marquent les tournants de l'existence. Et 70 ans en est un. Je suis arrivé jusqu'ici. J'éprouve un sentiment d'accomplissement. En même temps, j'ai déjà envie de repartir, de continuer. À Shikoku, la beauté des temples et des paysages célèbre l'éphémère, l'impermanence, le périssable. C'est peut-être bien l'esprit universel du saint Kukai qui règne toujours sur l'île des 88 temples. Vous pouvez approfondir ce thème avec cet ouvrage, Japon, aux éditions du Chêne, un superbe album qui présente les facettes les plus diverses de ce pays, à travers les maisons de thé, les temples et jardins zen, mais aussi des photographies plus contemporaines sur la société japonaise, entrecoupées de citations et d'extraits de livres. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée.